Patrice Dumont vous dévoile chaque jour ses petits secrets pour une cuisine simple et équilibrée. Bonjour. Aujourd'hui, on prépare un hachis parmentier de poulet. Alors aujourd'hui, on va faire un plat très simple avec du poulet et des pommes de terre. Je commence par mettre mes pommes de terre à cuire à l'eau avec la peau. Pendant ce temps, je récupère mes chairs de poulet rôti. Je prépare mes épices, oignons, ail, thym. Je verse un filet d'huile dans une marmite. Je fais revenir le poulet émietté avec les épices. Je retire les pommes de terre de l'eau bouillante. Je les épluche. Je rajoute le beurre et l'assaisonnement. Le hachis parmentier de poulet est prêt à dresser. Donc maintenant, on va utiliser notre moule. Je commence par une couche de purée. Puis je mets une couche de hachis parmentier de poulet. Et je termine avec une autre couche de purée de pommes de terre. Notre gratin de fromage. Pour réaliser le fromage gratiné, je parsème du fromage sur une plaque et je le fais gratiner au four à 200 degrés. Voilà comment réaliser un très joli plat avec très peu de choses. Et maintenant, c'est à vous de jouer avec le chef et notre partenaire Isio 4 de Le Sieur. Écoutez bien la question. Avec quelle viande fait-on la farce? A. Le bœuf. B. Le poulet. Vous connaissez la réponse? Alors envoyez vite A ou B par SMS au 7080. Vous gagnerez peut-être le coffret assaisonnement du chef ou un cours de cuisine avec le chef étoilé Patrice Dumont. Bonne chance, cuisinez bien et à demain. Merci d'avoir suivi Le Chef se met en 4 qui vous propose chaque jour une cuisine saine et savoureuse.